Nous sommes là ce matin dans le cadre de lancement de travaux de piquage pour le renforcement de la distribution sur la commune de Yokuba. Et en fait, ce chantier revêt un caractère très urgent. C'est ce qui nous a amené à faire l'annonce pour une coupure demain. Oui, aujourd'hui, bon, on est en déficit quand même, il faut le reconnaître, sur le Yokougon. Et aujourd'hui, il y a à la fois un déficit production, un déficit distribution. Donc c'est dans le cadre du déficit distribution que nous sommes en train de faire ce piquage maintenant. Voilà, pour permettre à l'eau de mieux circuler et aller jusqu'au ménage. Le piquage, c'est juste le fait de couper un tuyau pour permettre à un autre tuyau de se raccorder dessus. Donc c'est cette phase-là qu'on appelle le piquage. Après quoi suit le raccordement de l'autre tuyau. C'est ce qui va être fait ici. Alors, un chantier de ce type induit forcément une coupure. Donc demain, il est prévu qu'on fasse la coupure de 9h à 18h. Donc 18h, on aura un manque d'eau, effectivement, durant tout le temps de travaux, et un manque d'eau le temps que les réseaux se remettent en charge. Mais pour assurer les populations, ce que je peux dire là-dessus, c'est qu'on a prévu quand même une dessette en mode dégradé par camion-citerne, donc le maximum de camions-citernes sur la zone concernée. Voilà, donc durant les travaux, et après la mise en route à 18h, on aura un retour progressif à la normale, voilà, dans les heures qui vont suivre. La capacité de ces camions le permettront. Maintenant, il va falloir qu'on s'organise réellement effectivement avec les collectivités dans les quartiers pour que la discussion se fasse vraiment dans la discipline, de sorte que tout le monde puisse avoir quand même un peu. L'appel aux populations, c'est que celui-ci est à leur côté. C'est vrai qu'ils vivent des problèmes, on le sait, et on y travaille aujourd'hui. C'est dans ce cadre-là même qu'on est là ce matin. Voilà, donc il est important que celui-ci communique effectivement sur la situation, ce qui nous amène là aujourd'hui. Donc on compte sur la population pour nous accompagner dans ce sens-là.